ce que je viens d'apprendre? J'avais pas d'eau au fond, moi, il manquait 20 cm. T'avais pas d'eau dans le fond? Pas d'eau dans le fond. Donc ton verre de vin était tout sec? Il était tout sec quand je ramenais, je dis c'est quand même bizarre. Ben j'ai compris après, il manquait 20 cm d'eau au fond. Alors les Diables Noirs vont encore pas peiner à gagner ce concours aujourd'hui. Il y a que des sous l'eau. Que des sous l'eau. Regarde. Oh là, je crois que c'est de pire. Oh là, c'est de pire en pire. Eh ben, on n'a pas de mérite. Hein. Et tu montres pas ça dans ton département. Il commence. Allez, allez. Ah, ben on les a retrouvés. Ils sont à la buvette. Alors mon vieux Cubi, tu as fait gaffe, tu peux déteindre. Hein. Ah ben c'est la première du manche. Du rose, là. Tu vas passer au noir. C'est la première manche, c'est la buvette. Est-ce que tu vas tenir le coup? À la buvette, oui. Tu crois? Ah oui. Ah, c'est pas sûr. À la pêche, hein. Non, mais à la buvette, tout. Faut bien être bon quelque part. Salut, Régis. Et tu veux que je te dise? Oh, la branlée qu'on va te mettre. Ah, Monsieur Grenados, fils. Alors, hey, c'est frustrant pour toi quand même. Quoi donc? Bah, ton père va peut-être être champion du monde avant toi. Ah putain. Ah, mais je suis pas prêt d'être vétéran aussi. Un peu plus de marche peut-être. Bon, alors qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui ici? Des gardons. Mais il paraît qu'il y avait plus de poissons. Ah, ça a baissé un petit peu. T'es venu pêcher cette année? Non. Donc il y a des gardons, il y a des popones encore au bord. Des gardons, des popones, toujours des popones au bord. Des gouines, plein de gouines. Et pour gagner, il faudra combien? 3-4 000 ou... Ouais, je pense, ouais. Ah oui. Il y aura des poissons. 3-4 000, mais après, il y a des dizaines qui vont se gagner avec 500 grammes peut-être aussi. Ah oui, d'accord. Ça va pas être très régulier, quoi. Bah, bon. Le passé, il y a que la première dizaine qui avait fait du poisson. Tu veux que je te dise? Dis-moi. Oh, la branlée qu'on va vous mettre. Chasse et pêche. Alors, on a trouvé un fidèle invité de la Diablonie du Sud. Alors, tu suis nos périples au travers de quoi? Pêche Maniaque? T'es invité sur Pêche Maniaque en tant qu'invité? Oui, je vous surveille quand même. D'accord, tu nous surveilles. Les diables de Tasmanie, il faut s'en méfier. Et donc, bah, est-ce que tu trouves que c'est correct? On ça, déborde pas trop, hein? Non, ça va. On peut... Il y a un nouveau, là, c'est Monsieur Bert. C'est quand même un monsieur. Et donc, il n'y a rien qui te choque ou qui te vexe? Non, rien qui me vexe. Oh, la branlée qu'on va te mettre! Bonjour, Monsieur Pessin. Salut, Jérôme. Alors, on est un peu chez toi, là? Oui, tout à fait, oui. Donc, Auxonne, t'es venu pêcher cette semaine, tu m'as dit? Ouais, je suis venu mercredi, donc j'avais 70 poissons pour 3280. 46 gardons. En 12 heures? En 4 heures. En 4 heures? 4 heures de pêche. Donc, t'as une pêche difficile de beaux gardons? Oui. T'avais des gardons de 150-200 points, les plus beaux? Les plus beaux, oui. Et mais puis, sinon, deux doigts, quoi, à peu près. Quoi. Ouais, mais 50, deux gros doigts. Voilà. Ouais. Donc, ça va être une superbe pêche. Technique. Ouais, super. Et donc, les popanes au bord, c'est fini? C'est fini. Moi, je sais pas, j'ai pas essayé. Hein. D'accord. Il y a tellement d'herbe. Et t'as pas glissé de plaquettes dedans, même au bout de 4 heures? Si, une grosse brème à la fin, quoi. Une grosse brème à la fin. Ouais. Donc, ça va être une pêche très intéressante. Oui. Les plus forts vont gagner? Ouais, les Côtes d'Orient, tout à fait. Non. Si, si. Et tu veux que je te dise un truc? Oui. Et... Oh la branlée qu'on va vous mettre. Ah ben, on en parlera. Écoute, le coup qu'on a fait, ça qu'on avait fait le Bourgogne ensemble. Je m'avais très désagréablement détrôné. Et j'ai décroché une brune, puis hein, c'était con. Alors, tu parles des poissons que tu as décroché, Alain? Oui. Donc écoute, ceux-là aujourd'hui on te les pèsera en premier. Tu le diras bien à la pesée et tous ceux que tu auras décrochés, on te les pèsera en premier. Mais je t'en veux pas vraiment parce que celui qui a gagné c'était toi. Bon, ça va alors. Alors il paraît que tu es quand même le grand spécialiste de la pêche des canots dans la région. Ah oui. Et ce qui m'agace un peu c'est qu'en plus, ils t'ont donné une aile et dans mon secteur ces enfoirés-là. Donc si je te bats, comme dirait René, je serais bien placé si je te bats. Si tu me bats, t'as gagné le secteur. Il va nous montrer ce que c'est qu'un gardon. C'est bon? Alors là, t'as gagné facilement avec cette super aile. Pareil que t'es resté capot très longtemps. J'étais à 14h10. À 14h10. Oui, parce que moi, quand je suis passé à 13h, t'es encore capot. J'ai décapoté avec une grémille, s'il vous plaît. Ah bon. Bah, et respect. Et puis après, poisson que je trouve noble. Et puis après, où? Les gardons. Oula. Des gardonneaux et des chevelles. Il y a 5 poissons, 2, 4, 5. C'est ça. Mais des poissons de qualité. Ah oui. Ah oui. Ou même une poignée de grémy, il m'aurait fait plaisir. Oui. Oh. Il n'y a même pas 2000 avec ça. Ah, il paraît que t'as pris un gros poisson chat. Pas vu là, rien. Comme 5 et 2. C'est bon. Attends, on va t'y redonner, va. Ouais, ça fait.
1780. Ça, c'est dingue. Hein. Alors mon aîné, oui, moi je viens pas la semaine prochaine. Alors moi je viens d'apprendre, j'ai une mauvaise nouvelle, que une heure après la première manche, j'ai mal aux dents, j'ai mal au ventre et faut le remplaçant pour me remplacer. Ah bah oui, mais il me remplace déjà, moi aussi j'ai mal au ventre. Alors on était 5 diables noirs, oui, c'est sur des secteurs de 9, je crois que c'est toi qui as fait le mieux en faisant 4. Oui, je pense. Et puis après il y a 4, 5, 6, 7, 8. Ça doit être à peu près ça. On a vraiment pas brillé. Rassure-moi René, c'est pas toi qui avais fait l'amorce. Non, pas aujourd'hui. On aurait mieux fait de la faire, la diabolique. On aurait gagné, comme toujours. Bon, alors, au moins, on sait tout ce qu'il faut pas faire pour dimanche. Oui, oui, on va sûrement changer de stratégie. Et alors, tu veux que je te dise? On n'a pas le choix. Comment ça va se passer dimanche? Oh, la branlée, oh, la branlée qu'on va leur mettre, oui. Là, la pêche... Vous avez pu voir ce que ça donnait, hein. Ah oui. Ça a été difficile pour tout le monde, sauf pour quelques-uns qui sont bons. Alors on va vous remettre déjà les coupes. Alors le premier du général, Gérard Granados. Bravo Gérard. Bravo Gérard. Alors René, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je viens d'apprendre? J'avais pas d'eau au fond, il manquait 20 cm. Alors, t'avais pas d'eau dans le fond? Pas d'eau dans le fond. Donc ton verre de vin était tout sec? Il était tout sec quand je ramenais, je dis c'est quand même bizarre. Ben j'ai compris après, il manquait 20 cm d'eau au fond. Et ton amorce, ça s'est cher aussi. C'était toute sèche. À remonter en surface. Mes gosers se sont transformés en casse-d'air, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. J'avais pas d'eau au fond, il manquait 20 cm. Alors, t'avais pas d'eau dans le fond? Pas d'eau dans le fond. Donc ton verre de vin était tout sec? Il était tout sec quand je ramenais, je dis c'est quand même bizarre. Ben j'ai compris après, il manquait 20 cm d'eau au fond. C'était une catastrophe.